Voici les équipements fournis avec l'ensemble télé. Il y a le décodeur, la télécommande, les piles, le câble d'alimentation, le câble HDMI et le câble réseau. Prenez le fil d'alimentation électrique. Branchez le bourron dans le port d'alimentation du décodeur et l'autre extrémité dans une prise électrique. Branchez le câble HDMI dans l'un des ports HDMI du décodeur. Puis, branchez l'autre extrémité dans l'un des ports HDMI disponibles de votre téléviseur. Branchez le câble réseau dans le port réseau du décodeur. Puis, branchez l'autre extrémité dans l'une des prises réseau disponibles de votre routeur. Le décodeur devrait maintenant être démarré. Vous verrez la page de configuration de la télécommande. Prenez la télécommande du décodeur et appuyez simultanément sur le bouton OK au centre de la croix directionnelle et sur le bouton Application dans le coin supérieur gauche de la croix directionnelle. Après 5 secondes, le bouton STB situé en haut à droite de la manette devrait clignoter en bleu. Si cela ne fonctionne pas, veuillez réappuyer de nouveau sur les deux boutons pendant 5 secondes. Une fois que la manette est appareillée au décodeur, vous verrez la sélection de la langue. À l'aide de la croix directionnelle, sélectionnez Français-Canada, puis appuyez sur OK. Il sera indiqué si vous voulez configurer rapidement le téléviseur. Sélectionnez Ignorer, puis appuyez sur OK. Il sera par la suite indiqué vous êtes connecté par Ethernet. Appuyez sur OK. À la prochaine étape, il sera indiqué si l'on souhaite se connecter avec un compte Google. Cela est optionnel. Sélectionnez l'option Ignorer. Il est maintenant indiqué « Conditions d'utilisation ». Appuyez sur « OK » pour accepter. Il est maintenant indiqué « Service Google ». Appuyez à nouveau sur « OK ». Nous sommes maintenant au Google Assistant. Sélectionnez « Ignorer » puis appuyez sur « OK ». Il est maintenant indiqué « Configurer l'assistant plus tard ». Appuyez sur « OK » pour continuer. Il sera indiqué « Installer d'autres applications ». Appuyez sur « OK ». Il sera indiqué « Votre Amigo 7X est animé par Android TV ». Appuyez 4 fois sur « OK » pour passer ces étapes. Il sera indiqué « Simple Remote Setup ». Appuyez sur « OK ». Après le temps de chargement, il demande de tester les touches « Volume haut » et « Volume bas ». Si cela fonctionne, appuyez sur « OK ». Si les touches de volume plus ou moins ne fonctionnent pas, sélectionnez « Les touches de volume ne marchent pas » puis appuyez sur « OK ». Pour continuer, il demande d'appuyer sur le bouton « Mute » jusqu'à ce que le téléviseur indique « Mute ». Si cela fonctionne, appuyez sur « OK ». Si cela ne fonctionne pas, répétez avec le bouton « Mute » jusqu'à ce que cela fonctionne. Vous êtes maintenant sur la page d'activation du décodeur. Veuillez communiquer avec CETAL au 819-623-2825 pour compléter l'activation de votre décodeur. Nous aurons besoin du numéro de série débutant par 104.